Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Watch Dogs 2, et donc on s'était arrêté dans ce garage avec ces magnifiques hein, voitures de collection. Alors. Ah, du coup, ça mine dehors, d'accord. Ah merde. Ah merde, dis pas ça. Merde. Vite! Deux secondes. Eh ben non. T'as pas eu 2 secondes. Je suis désolé. Il faudra faire avec. Alors, du coup. Du coup, il n'y a personne à l'intérieur. Ah, c'est nice. Notre objectif est là, les loulous. Alors attendez, on va refaire tout ça d'ici. Alors, ah, eh bien c'est très simple, voyez-vous, il suffit de... Hein? Hein? Ah ouais. Merde. Voilà. Ah bah du coup c'est pas bon ouais. Ouais mais non, ça peut pas être bon. Par contre, si on fait ça... Attendez, je réfléchis. On va faire ça d'abord. Là, là c'est bon. Mais là c'est pas bon. Par contre, si on fait ça, on peut déverrouiller celui-là. Donc celui-là, on le met comme ça. Celui-là... On le met comme ça. Celui-là, on le descend vers le bas. Hop. Donc, ce qui nous fait ça, là, ok. Alors là, pour moi, c'est pas bon. Parce que faut que je tourne comme ça. Non. Parce que je peux pas m'en charger tout de suite, peut-être. Écoutez, je vais faire le reste en attendant, on verra bien. Pire, je retournerai là-dessus. Là, il nous faut donc de quoi faire ici. Alors, pour avoir de quoi faire ici, si on tourne ça comme ça. On tourne ça comme ça. On a celui-là. Voilà. Donc ici, vu qu'on a celui-là, on peut tourner celui-là comme ça. Donc on a celui-là. Voilà. Donc là, on a celui-là, évidemment. Donc là, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Donc, on va faire maintenant ce côté-là. Donc, tac. Voilà. Ça, comme ça. Comme ça, on a également celui-ci. Donc là, c'est bon. Donc, on passe à celui-ci. Celui-ci, on va faire comme ceci, comme ça on a celui-là. Voilà, et on tourne celui-ci comme ça. Ça on a celui-là. Ok, c'est parfait. Donc on a celui-là. Et donc on a celui-là. Voilà. Ça doit être l'ascenseur de Jimmy. J'ai déverrouillé l'ascenseur caché. Attends, c'est quoi cette phrase? Bah quoi? C'est vrai? Ah, c'est quand même classe, hein. Bienvenue au 5e niveau de New Dawn. Félicitations pour votre élévation spirituelle. Merci, j'ai travaillé dur pour y arriver. Vous avez devant vous ce que New Dawn a de plus précieux. Ce sur quoi repose leur religion tout entière. Une série de tablettes sumériennes vieilles de plusieurs millénaires. Il y a tout un tas de trucs chelous ici, mais ça alors, ça... Ça, c'est spécial.
ils sont pas dans un musée? Et puis, qu'est-ce qui leur donne le droit de les cacher à la population? Enquêtons ensemble. Ça dit de pas toucher? Mais j'ai vraiment envie. Allez, juste un petit peu. Allez, quoi. Tout ce patrimoine culturel. J'ai tellement de chance d'avoir ce privilège. Oh, 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 non, 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 non! Elles sont fausses. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Ouais, ça fait du bien. Allez, je me tire. New Dawn! Ned Sec a décidé d'enquêter sur l'église de New Dawn et a découvert le crime et la corruption à l'état pur. Ils achètent des quantités astronomiques de données personnelles pour mieux cibler leurs ennemis. Ils savent vraiment tout de vous. Nous nous apprêtons à dévoiler tout ce que nous avons appris via nos canaux habituels. Lisez, vérifiez! Vous arriverez à la même conclusion que nous. New Dawn est une organisation criminelle qui intimide ses propres membres, détruit leur vie et s'empare de toutes leurs économies. Ne nous croyez pas sur parole, voici notre invité. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy Siska. Vous me connaissez, j'ai joué dans des films à succès avant de me faire laver le cerveau par New Dawn et qu'il me force à dire tout un tas de conneries. Quand mes amis ont remis en question les pratiques pourries de l'église, ils ont tous disparu. Quand j'ai voulu faire pareil, on m'a enfermé dans une pièce toute bizarre contre mon gré. Ne vous inquiétez pas, la police a déjà ouvert une enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut cette église? Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Mes amis de DedSec vont vous montrer la vérité. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Alors, faut se tirer maintenant. On va passer, on va aller au garage, comme ça on prend une bagnole et on se tire. Ce sera plus simple. Alors on prend quoi? La voiture rouge, c'est la seule rouge. C'est l'intrus, les loulous. Marcus, faut que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, dépêche-toi. Nouvelle OP dispo, miroir, miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Bon, ça, on s'en fout. Je verrai tout seul. Alors, du coup. Ah, l'OP principale qui est là. Donc, on va la faire. Hop.
Merde. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais des chiffres, combien de gens avaient téléchargé notre app, combien de puissances de calcul on avait disponible. Et c'est là que je l'ai vu. Quoi? T'as vu quoi? Une partie de nos followers et des bots proviennent de comptes invite inactifs ou fermés. Attends, ça veut dire que quelqu'un a utilisé un réseau social pour booster nos chiffres? Mais qui? Et combien de comptes surtout? Je sais pas qui, mais ça vient directement d'invite. Quelqu'un avec l'accès admin, ça c'est sûr. Et pour la quantité... Putain! Je suis désolé, j'ai pas vérifié. Non, c'est de ma faute, j'ai pas vérifié. Josh, j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ta faute. Non, mais peut-être que tout simplement, on a un méga fan chez invite. Ouais, ou peut-être bien que quelqu'un essaie de nous baiser. Merde. Faut qu'on se bouge. Marcus, je vais trouver un moyen d'entrer chez eux. J'aurais dû vérifier. Josh! Arrête, c'est pas ta faute, ok? On les a tous vus, les chiffres, et c'est toi le seul qui t'en est rendu compte. T'as assuré! Ok. Le pauvre. Moi, il me fait de la peine, hein, quand même. Mais du coup, faut aller à côté, ça va. Merde. Attendez, il est par contre. Est-ce que je pourrais pas prendre ces trucs? Mais en fait, c'est où? C'est en dessous. On y va comment là? Je sais pas. Enfin bref. Je vais pas chercher maintenant. C'est bizarre ça. Des sous. Merci. Ah, ma voiture est là. Oh, trop fort. Elle s'est tapée avec moi. Je t'envoie les comptes marqués. Utilise l'ordinateur de la présidente, Marie Catskill. Elle est en vacances, son bureau doit être libre. Ok. Attends, alors pour le moment, je vais un peu check tout ça. Alors. Ça, on peut ouvrir. Caméra et donne dessus, c'est parfait. Voilà. Ah, c'est tout, genre. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de. Ah si, il va falloir aller là. Ok. Bah, on va voir ça. On va rentrer déjà. De toute façon, ça doit pas être une zone interdite direct, quoi. Enfin, je pense, hein, après, je sais pas. Je pense que c'est quand tu prends l'ascenseur que ça devient. Pour ton argent. Alors, où est ce truc qu'on a dit? Tac, tac, tac. Ici. Il faut monter.
je vais pouvoir prendre l'ascenseur. J'ai déverrouillé l'ascenseur, j'y vais tout de suite. Je suis dans l'ascenseur, on va enfin avoir des réponses. Bonne chance, Marcus. On est avec toi. Ça y est. Je vais essayer de voir qui a gonflé nos chiffres. Wow. Il s'est passé quoi, là? Les clients marqués ont disparu. Les bots sont plus là. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, c'est pas moi. Marcus, je tombe mal? On dirait que je tombe mal. Je parie qu'elle prend des glaçons, en plus. Je pense pas avoir besoin de me présenter, si? Je sais qui t'es, ouais. L'autre nuit à la plage, tain, je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh bien moi, je crois que c'est le destin qui a voulu que je sois là l'autre soir où t'es entré dans nos systèmes. Il fallait que je sache qui t'étais quand je t'ai trouvé, tu pissais sur tes baskets. Tout dans le cerveau, rien dans la précision. Qu'est-ce que le directeur technique de Bloom fait dans le bureau de la PDG d'Invite? Et pourquoi t'as gonflé nos stats? Laisse-moi deviner, tu viens me proposer un salaire de bâtard? Ah ça non. Non. Alors oui, c'est sûr que t'es plus doué que la plupart de mes programmeurs. Mais moi, tu vois, je peux pas vendre le CTOS 2.0 comme un système de sécurité de pointe et après... embaucher un type aussi peu recommandable. Wow. Je suis juste venu prendre un verre. Mais, hey, si tu veux un verre et une danse, ok? Ah, tu trouves ça marrant, hein? Vas-y. Mets-moi un coup, vas-y. Tout le monde te bouffe dans la main parce qu'il pense que ton système est infaillible. Mais tu vois pas toutes ces vies que t'es en train d'écraser? Tu sais quoi, Marcus? Tu sais quoi? Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise ce qui est bon et ce qui est mal. Ils veulent pas savoir comment ça marche, juste si ça marche. Ouais, sauf que rien ne marche. Quelques vies, un prix dérisoire à payer. Dérisoire pour améliorer le sens dans lequel va le monde. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Continue à te battre contre le courant et tu finiras sur la plage. Pourquoi t'as gonflé les chiffres de DeadSec? Parce que dans la Silicon Valley, personne ne sait mettre une vraie droite. Ça, et puis, vous êtes un sacré investissement. Vous êtes si agressif, si indigné. Vous avez envoyé le reste de la Silicon Valley directement chez moi. Tu nous as utilisés pour leur vendre le CTOS 2.0. Ouais, c'était le dernier rempart contre des hackers comme vous. Et maintenant, tout le monde veut ma protection. Bon, écoute, Marcus. Ton dossier est de nouveau accessible, ta bague d'or est grillée, et ces bottes que je t'avais données... envolées. Oh, et... il y a aussi un mandat sur ta gueule. Pour piratage, espionnage industriel... et vandalisme avec effraction. C'est pas grave. Je comptais pas me resservir. Ça fait chier. À toutes les unités, le sentiment de une description du suspect. Restez en ligne, je vous l'envoie. Vous êtes cernés. Sortez les mains en l'air. Merde, je me suis fait avoir. Putain. Marcus, il y a des flics partout. Tire-toi de là. Sa mère. Marcus, ils encerclent le bâtiment. Calme-toi et dégage de là. Je répète, sortez les mains en l'air. Ok. C'est bon. Un agent a été percuté.
vite. Putain de merde. Caché. Un SUV de patrouille vient d'être envoyé en direction du suspect. Putain, venez pas par là, s'il vous plaît. Vite. Allez. On trouvera une solution ensemble. Ah mon dieu. Ah et du coup les flics veulent ma vie. Alors, on y retourne. C'est pas si grave. Là, on passe juste pour des bouffons. Enculé, fils de pute! Wrench, calme-toi, merde! Ça sert à rien. Ouais, t'as raison. Ça sert à rien. Marcus, tu veux contribuer? Les gars, je vais être honnête avec vous. En général, j'ai pas de plan. Mais là, j'ai une idée et... Je sais pas, mais... Faites-moi confiance, sur ce coup-là. C'est parti. Merde. Ouais, bien joué, Rex.
Je sais que ces temps-ci, c'est pas la grande joie. Non, c'est carrément pourri. Même si c'est la merde maintenant, c'est passager. Tu nous as aidés à trouver notre voie. On s'est attaqué à des géants et ça a été une putain d'expérience. Au fait, on t'a jamais vraiment remercié. Et pourquoi t'en parles comme si c'était fini? C'est pas le cas. Moi, je continue. Et toi aussi, alors on va convaincre les autres et... Quoi, tu laisses tomber? Ça vient de nos forums DeadSec. DeadSec, ça vaut plus rien. DeadSec, c'est rien d'autre que des fakes. Vous faites que de raconter de la grosse merde, hashtag DeadSus. Mais c'est normal qu'on se fasse tailler de temps en temps, on s'en fout de ça. On s'en fout de... Putain, Marcus. Tu regardes ce qui se passe autour des fois, moi je m'en fous pas. Je me suis cassé le cul pendant des années, pour qu'on nous respecte, et ça bien avant que tu te ramènes. C'est pour ça que je le fais. Mais là, je crois que... c'est foutu. Bah, arrange le coup. Je sais pas si c'est possible. Ouais, bah... si ça peut te réconforter... au moins, toi, t'es pas une fugitive. T'imagines. Je me demande s'il y a une prime sur ta tête. Je pourrais la récupérer. Oh, arrête, tu pourrais jamais m'attraper, de toute façon. Attends, moi, je suis une athlète, bitch. Ouais, non, laisse tomber. Ouais, okay. Je veux pas me faire mal. Ouais, moi non plus. S'il faut que je les traîne au milieu du désert pour que DeadSec survive, j'hésiterai pas une seconde. On peut pas abandonner maintenant. Le troisième défi de piratage du Diabor Woko, Swelter Skelter, va bientôt commencer. Chaque équipe doit se faire prendre en photo à la statue de l'entrée. Les Tuckface seront disqualifiés. Yo, Josh, c'est qui ta copine? Oh, c'est Suzanne, elle est prof dans une école du Milwaukee. Elle a 32 ans et elle conduit une... Super! Bon, on doit tous se rejoindre devant la grande sculpture pour une photo de groupe avant le début du défi. Enfin, quand tu seras prêt, hein? Je veux surtout pas te déranger. Me déranger? Non, non, pas du tout. J'expliquais simplement à Suzanne que si son mélange pour faible vitesse est trop riche, le moteur le supportera difficilement et finira par craquer. C'est un moteur 4 temps, faut faire gaffe. Ouais, bien sûr, ok. On se voit là-bas, hein. Alors... là-bas... C'est sympa, le festival, en tout cas. Tu laisses ta trace? Toujours. Mais pas celle de DeadSec. Tu crois pas que ça ferait bizarre? Allez, s'il te plaît, me prends pas la tête. J'essaie de passer un bon moment, là. Moi aussi! Du coup, tous ensemble, en tant que DeadSec, on va participer au défi et on va le gagner. Et tu penses que les autres sont partants? Mais ouais, ils vont l'être. J'ai un super sourire. C'est vrai qu'il est pas mal, ton sourire. Tu vois, c'est facile. On va gagner ce truc et on va se marrer. Fais-moi confiance. En fait, t'as déjà tout prévu, hein? Non, mais je sais comment te faire repasser en mode Citara, et après, c'est toi qui vas tout prévoir. Mais t'es dangereux comme mec. Retrouve-nous devant la statue quand tu seras prête. Ok, à toutes. Donc à droite d'abord. Oh putain. Ça c'est de la sculpture quoi. Alors. Excusez-moi. Excusez-moi. Hé hey mec, tu fais quoi de beau? Je vais faire bouger tout le monde. Mais il me faut une vraie tracklist. Y'a rien sur cette merde. DJ Ratio. Quand je mixais, on m'appelait juste Ratio. Et tu sais quoi? Pourquoi je m'y remettrai pas? De toute façon, j'ai rien d'autre à faire maintenant. Non, mais DeadSec, c'est pas fini. On s'est pris un coup, mais on va revenir encore plus fort, tu vas voir. T'es toujours tellement sûr de toi. Je sais, mais j'ai toujours raison. Attends. Voilà. Bah voilà! Ça, c'est du son! J'ai aussi bloqué le matos de leur DJ pourri. Le sauveur de la fête. Bon, quand t'auras fini de faire transpirer tout ce beau monde, retrouve-nous au milieu. DeadSec va participer au concours. Ok, ça marche. C'est pas très équitable, ça. Tu m'étonnes que c'est pas équitable.
Le gars va se faire démonter, c'est sûr et certain. Mais c'est ça qui est marrant, non? C'est toujours fun de regarder un type se faire massacrer. Ouais, enfin, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied et qu'il prenne sa revanche, non? Quoi? Tu veux faire de ce combat une métaphore pour DeadSec, c'est ça? Attends, mais moi je suis aussi partant que toi pour que DeadSec continue. Je suis juste pas sûr que la métaphore puisse s'appliquer à ce taré. Il va se prendre la raclée de sa life. Point barre. Ouais, c'est clair. Bon, tu nous files un coup de main pour la compétition. Ouais, je suis chaud. Putain, classe les pum pum girls, quoi. C'est pour nous, ça. Allez, venez tout le monde, on fait une photo tous ensemble. Et tu sors ton plus beau sourire, ok? T'inquiète. Bon, on dirait que le défi a commencé. Josh, t'analyses les chiffres et tu trouves la solution. Wrench, tu t'occupes du Jabberwock. Tu me rebranches tout ça. Ratio, il faut que tu fasses des interférences pour nos concurrents. Ralentis-les. Sitara et moi, on va hacker ce truc. On y va! DeadSec! C'est parti! T'as un drone là-haut si t'as besoin d'une meilleure vue. Ok. C'est bon, j'y suis presque. C'est dû au réseau interne. Je suis entré. Oh! Ok, c'est quoi ce truc? Trop cool! Ça devrait pas être trop difficile ce coup-ci. Ouais, mais faut qu'on fasse vite. On dirait qu'il y a un timer. Tu crois que tu peux le pirater? Évidemment. Ouais, mais attends, là, c'est la merde. Putain, mais arrête de bouger! Ah! Pardon. Oh, la puissance de Sita! Alors... Je veux bien, mais j'ai un reboot, machin, tout ça, mais tu veux que je fasse comment, en fait? Parce que, genre... Faudrait que ça, j'ai ça... Ta-ta-ta-ta-ta-ta... Ok, là, c'est bon... Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est la merde, faut tout... Ah ouais, c'est la grosse merde. Alors ça... Mais putain! J'ai pas relâché, là! Ah, mais ça tourne tout! Oh, c'est compliqué... Voilà... Tac... Ok... Là... Je sais pas, là on peut faire ça. Ah, on en a un! Enfin! Ok... Là, on en a un... donc là, il nous faut celui-là, il nous en faut un là. Oh bah merde, ça pivote. Ouais, c'est relou. Attends, je m'en occupe. Merci. Putain, pourquoi ça a pas marché? Ah, je sais pas, mais attends, je nique le reboot là. Voilà. Voilà. Donc ouais, pourquoi ça a pas marché? Ben je sais pas moi. Qui j'en sais? Alors, ça, ici, donc tac tac tac. Ça, il nous faut ça. Ah bah non. Il nous faut ça, mais là-bas. Ok, donc là c'est bon. Ça, il nous faut un tour là-bas. Donc du coup, normalement, ici, si on fait tech, on a celui-là. Ok. Allez, Marcus, t'y es presque. Ah bah ouais, je veux bien, mais attends, t'es marrante. Ça se fait pas tout seul, hein. Ah bah si. Tech. Tech. Et tac ici. Merde. Ça va pas du tout. Ah oui, ça. Là-haut peut-être. Je sais pas, j'imagine des choses, on va voir. Ça ici. Ça du coup ici. Ça ici. Et du coup on est bon. Tac.
Hé les gars, reculez putain, ça va prendre feu, reculez. Ah ouais, comment tu le sais? Parce que c'est obligé qu'il prenne feu. Il peut pas ne pas prendre feu. Je te l'avais dit. Oh, ça c'est vraiment trop mortel, putain. Le Jabberwock, l'œil flamboyant. Moi c'est John. Moi c'est Horatio. Ça va ou quoi? Ouais, et moi c'est Marcus. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est Ray. Ah. J'aurais dû mettre plus de jus dans les... Ah, ah. Et les jeunes, vous voulez vous nourrir l'esprit? Alors suivez-moi. Du 100% pure défonce. Ok, les gens, je suis offline. On se retrouve de l'autre côté. Hé, hey, Horatio, tout va bien, mais... Je sais même plus ce que ça fait de se sentir bien. Bon, ça va, alors. Est-ce que je vous ai dit... que je les avais trempés dans du LSD avant. Josh ? Ça va, ils utilisent des hallucinogènes pour tester les malades. Asperger... Asperger... Josh est en plein trip. Ok, on va te trouver un truc sur quoi se coacher, hein ? Ok, ok... Toi, c'est pas juste Ray. Toi, c'est Ray, Raymond, Kenny, toi. J'ai toujours tes vieux fanzines de hacker. Je me souviens d'avoir monté une antenne sur mon vélo 10 vitesses après avoir lu un War Driver. Putain, j'utilise même encore ton vieux rootkit. Fuck steak. Ouais, ouais. Et moi qui vous prenais pour de simples bidouilleurs. Dis-moi si je me trompe, mais... On dirait qu'il y a quand même des éléments instables dans le groupe. C'est toi le chef? J'ai trouvé Charlie. Non mec, on marche pas comme ça. DedSec a une règle. Pas d'armée personnelle. Pas de chef. Ouais. Seulement au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui les as amenés ici. Non mec, c'est exactement contre ça qu'on se bat. Le système dans lequel on vit, il est complètement pourri. Tu poses la question à n'importe qui ici et ils te sortiront tous exactement la même chose. C'est facile à dire, ça. C'est trop facile, mon pote. Ok. Il y a quelques années, ce putain de système m'a identifié comme étant un criminel potentiel. Je me suis retrouvé lié à des trucs que j'avais pas fait par simple probabilité. Et maintenant, avec le CityOS, c'est comme ça pour tout. Je veux dire, je le vois au niveau... au niveau subliminal. Tu t'es dédoublé, là. Ouais, je sais, ça a tendance à faire ça. Ce que t'appelles subliminal. C'est un bel Weather, Marcus. T'as vraiment l'œil, gamin. Mais le subliminal est passif. Le programme Bel Weather. Il contrôle. C'est comme si Orwell et Huxley te mettaient un double patch. Profilage. Manipulation des médias. Collusion d'entreprise, consumérisme, le tout piloté par des algorithmes prédictifs. Et là, il a été mis en place en plein cœur de la Silicon Valley. Et quelqu'un de chez Blue utilise le CityOS pour l'alimenter en données. Tu recrutes? J'ai tellement envie de mettre un gros kick dans les couilles de Bloom. Je peux vous aider à être plus efficace. Alors, aide-moi à vaincre le vrai Jabberwock. Allez, viens avec moi, Marcus. Sans déconner. Oh, sa mère. Oh, hey, Marcus, réveille-toi, putain, il faut y aller! Oh non! Oh, j'ai passé la nuit dans une tente à côté d'une nana très nue et très tatouée. Ouais, bah, tant mieux pour toi. Non, mais tu comprends pas, mec! C'était la fiancée d'un type des Sons of Ragnarok!
Faut qu'on se tire, faut qu'on se barre maintenant. Allez, Ragnarok, gronde-toi. Waouh! Ouais. Bah, tu m'avais dit que vous étiez dans la merde. Alors jusqu'où? En gros, on est tous en danger parce qu'il y a un gros marqueur rouge à côté de mon nom. Les gens vont commencer à faire des rapprochements. Tiens. Mais ils sont où tous, putain? C'est tout? C'est déjà bien. C'est de Bloom qu'on parle, là. Et là, t'es en train de parler au principal ennemi de Bloom, mon gars. Eh ouais, ça fait des années que j'échappe à ces connards. Si tu veux, il suffit que tu me laisses 2 heures et je vous efface de leur système. Quoi? Comme ça? Bah, faudra peut-être que je sacrifie une chèvre pour qu'on se la joue médiévale, mais ouais, ça ira comme ça. Ah bah te voilà. On t'a cherché toute la matinée. Ils ont pas de bureau des objets trouvés au Swelter Skelter. Ah ça, dans le désert, ils sont plutôt du genre je trouve, je garde. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Ouais, Marcus. D'où t'invites des étrangers chez nous? C'est arrivé comme ça, ok? On essayait d'échapper à des bikers, c'est... Ouais. Mais bon, tu sais quoi? C'est même pas important. Il est cool. Ah, il est cool. Mais c'est génial, ça. Parce que d'habitude, c'est en groupe qu'on discute de ce genre de trucs. Je sais. J'ai déconné. Mais vous connaissez Ray, hein? Pas vrai? Alors tenez-vous bien, parce que lui, c'est Raymond Kenny! Lui, c'est Raymond Kenny? Je t'imaginais... plus propre. Je sais, on me le dit souvent. Je peux te faire un câlin? Ouais, mais pas plus de 2 secondes, hein. Ça aussi, ça arrive souvent. On peut le garder? Comme un hacker en résidence? On devrait, il peut nous aider. Il peut rester ici? Vraiment? Il devrait rester? Ok, c'est bon. Mais s'il se met à déconner avec l'un de nous, je lui éclate les bourses avec une batte de baseball. Message reçu. Jolie casquette. Joli masque. Ok, c'est cool. Tu veux une bière? Ouais, je veux une bière. Même 2, merci. Tiens, ramène-lui du matos aussi. Il va nous montrer ce qu'il sait faire. Et du coup, on a plus de followers, c'est ça? Ou ça monte toujours? Je suis curieux. Ah, ça monte toujours! C'est fou, ça! Ok. De la recherche dispo, normal. Alors, est-ce qu'ils vont me contacter? A priori, non. Donc les loulous, nous on va se laisser là, je vous dis à plus tard pour la suite, bye bye!